bah on est plutôt pas mal au bureau de Maxime. Bah du coup je vais faire une vidéo sur sa chaîne, je pense pas que ça va lui faire chier. Salut, je reviens du Japon. C'était un prank. C'était un prank, on était chez elle en fait. Générique. Je t'ai ramené les cadeaux. En plus, regarde dans une valise, Pikachu noir. C'est le bordel dans mon studio, je suis vraiment désolé, mais c'est pas grave. C'est bon. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça, Douce? Est-ce que ce serait pas une commande? Ici, là-dedans, oui. Il y a des cadeaux. Rappelle-toi, on avait fait une vidéo. Non, je m'en souviens pas, j'ai pas envie de m'en souvenir en fait. Rappelle-toi de cette tête que tu avais. Puis les trucs là. Yes, bah. Non, t'es belle, d'ouf. Et bah du coup, je t'ai ramené d'autres trucs, mais alors tu vas voir que aujourd'hui, je t'ai mis bien. Pourquoi je sens que c'est de l'ironie un non, petit peu. Non, franchement, tu vas pas être déçu du voyage. On va faire un truc, c'est que je vais ouvrir cette valise au trésor, mm-hmm. Et tu vas piocher un truc. Est-ce que à chaque fois que tu vas au Japon, tu vas ramener encore plus gros? Oui. Tu vois, avant t'avais un sac, maintenant t'as une valise. La prochaine fois, je ramène un 38 tonnes. Et ça, le principe de la vidéo est la même, du coup, je dois deviner ce que c'est. À quoi oui, ça sert? Non. Ah. Oui. Bah j'étais pas parti pour, mais au final je change d'avis, oui. En fait je voulais juste te faire subir des choses juste avec du grand sadisme et de la méchanceté gratuite, exactement. Mais au final c'est vrai que t'as raison. Vas-y, un objet. Bah si c'est un objet ça. Attends, voilà. Non mais c'est une blague. C'est génial ça. Qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, c'est quoi? C'est pour faire semblant d'avoir de la barbe? Oui! Toi qui as toujours rêvé d'avoir une barbe. Allez. Aucun homme n'a ça sur la gueule. Obéis et mets. Faites fausse barbe. Mais c'est pas du tout comme ça en fait. Voilà, c'est... Fais un effort, non? Bah attends, c'est pas de ma faute, c'est trop grand pour mon visage. Pourquoi tu mens? Bah c'est vrai. Ça me paraît quand même vachement trop, on dirait un masque. Oui. C'est une super héroïne. Mais hey, de loin? Non en fait, bah non, de loin non en fait. Non mais de loin même pas mec, ça n'a pas de sens. Léo, tu as mangé un coup? Mais qu'il y a des petits trucs. Oh non, pas de masque. Mais c'est horrible en plus, c'est atroce. Bah ouais, il est dégueulasse. Dégueulasse. Il est dégueulasse. Et je suis sûr qu'il te conviendrait bien pour toi. Merci. Si tu veux, je te le fais le soir et je t'envoie une photo. Ah, ça, c'est une bonne chose. Comme la dernière fois. Eh bah allez, c'est comme la dernière fois. Allez, c'est parti du coup. Putain. Qu'est-ce que je fais pas pour ta putain de vidéo, mec? Ça fait flipper, on est d'accord. Je dirais que je viens de me mettre le visage de quelqu'un d'autre sur la gueule. C'est horrible. Et ça sent par contre très fort le litchi. Voilà, merci pour les screens. Mais c'est énorme, mec. Ah, t'as pioché le meilleur truc. Non mais sérieux, je suis pas Rodolphe là. Va te changer. Putain. Voilà mon pull de Noël, hop, avec un bonnet de Noël. Si ça, ça fait pas 600 000 vues, je comprends pas. Putain ça. Franchement, je trouve que ça te va pas si mal hein. Vraiment, ça te va pas si mal. Aujourd'hui ce bonnet c'est chiant. J'avais même pas vu que t'avais un truc Noël. Mais tu viens de le mettre? Ouais. Oh c'est trop mignon. Eh, je me suis dit que j'allais dans le thème, Père Noël et son reine. On est trop dans le thème maintenant. T'as une clochette, ça va être insupportable. On va chercher les cadeaux. Ok bon, franchement, est-ce que c'était pas un cadeau formidable ça? Non. Est-ce que tu vas arrêter de faire des doigts à mes abonnés s'il te plaît? Je vous aime. Objet suivant. Faire tomber la balise. Pardon. C'est un truc qui me saoule là. Mais... Parfait. Alors faut qu'on en parle de cette chose là. C'est une culotte. Du coup essaye de deviner à quoi ça sert. On doit, chacun doit mettre la culotte sur sa tête, ouais. Et c'est celui qui tire le plus fort. Exactement. Wow. Et celui qui du coup retire sa culotte de sa tête. On peut dire que c'est un jeu culotté. Ok, est-ce que t'es prêt pour ce jeu de qualité? Je suis prêt pour jouer à tire-culotte. Oui, ça s'appelle vraiment tire-culotte? Non pas du tout, c'est moi qui viens de l'inventer à l'instant. Ok d'accord. Jingle tire-culotte. C'est une blague. Je parle de culotte rouge. C'est des culottes des petits bébés. Ça paraît très bizarre comme ça. Oui j'avoue par contre, mais c'est très drôle. Allez, t'es prête? Mais non attends, j'avais mal mis. Oh putain mec. Allez. Je descrine de sa tête, elle est tellement drôle. Eh, tu sais c'est qui tient la culotte de chez moi? Bah c'est toi. Bah oui, pourquoi? Bah parce que t'as une culotte sur la tête. Oui. Attention, est-ce que t'es prête? Ouais. 1, 2, 3. Non. Ok, Doom, ça fait un partout. J'ai jamais du maquillage partout là. Je m'en bats les... Il m'énerve. Salut, est-ce que tu veux sortir avec moi? C'est maintenant que tout se joue. Faut savoir que c'est là où on va se mettre. Doom, ça fait 1m20 les bras levés. Ouais, il y a un petit problème de taille là. Bon, allez, c'est bon. Ok, t'es prêt? 1, 2, 3.
NON. Il est nul ce jeu. J'ai gagné. Est-ce que mes cheveux ont toujours un minimum de sens? Oh. On continue. Alors en fait, normalement je vais tourner cette vidéo avec Dooms, mais chez moi, dans mon nouveau studio. Sauf que je n'ai pas Internet. Du coup, je suis actuellement SFF, donc sans fond fixe en fait. Donc je me squatte chez les autres youtubeurs pour récupérer un fond et pour tourner des vidéos. Donc chez toi, ma grande amie. Ouais, ouais, je suis très heureuse d'avoir des culottes qui traînent après. François, il va se poser des questions, mais c'est pas grave. Ok, Dooms, est-ce que tu veux piocher un nouvel objet? Oui. Oh, ce truc me saoule là. Ah. Et c'est une bougie. C'est une bougie? Oui, c'est une bougie onigiri. Oh. Et dans la même collection, la bougie œuf au plat. Est-ce que c'est pas ce que tu rêvais d'avoir? Ah, ça me dégoûte. Tu vas voir, c'est grave bizarre. T'as payé ça 8 balles? C'est hyper plat, c'est chaud. Mais ça non, va cramer mais non, le blanc dessous, mais, si. Mais pas du tout. On connaît, on est des professionnels. Ah, ça tient. Oh, si, ça tient. Est-ce que tu as une allumette? Non, mais tu veux vraiment qu'on les allume là? Bah oui. Putain. Pourquoi t'as retiré ton déguisement, toi? Parce que j'ai trop chaud. Mais remets-le. Eh, genre, à aucun moment, je me suis posé la question. Remets ce déguisement. Vous en pensez quoi des objets pour l'instant? J'ai passé une après-midi entière à chercher des objets pour elle. Regardez ce que j'ai trouvé quand même. J'ai trouvé des trucs cool, non? Vous aimez pas? Ça me fait un peu mal au cœur. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs votre objet préféré dans les commentaires. Ok, t'es prête? Oui. Attention. Ah voilà, c'est tout. Moi sur ton chemin, au fond égaré, la grosse truie va arriver bouffer ton âme à jamais. Mais ça c'est hyper dangereux hein. Ah, c'est pas le fun? Non, c'est pas fun du tout hein, moi j'y tiens à mon bureau hein. Ok. On va arrêter les conneries tout de suite hein. Ça pue la mort en plus. Ah, c'est même pas des bougies qui sentent bon, mais garde-les. Ah non, je te les donne, c'est des oh, cadeaux putain. On refuse pas des cadeaux. Prochain objet. Qu'est-ce que c'est que c'est? Non, alors ça, c'est quelque chose de formidable. Et tu vas deviner ce que c'est. Aïe, oh. Chez moi. T'as des chips? Non, j'ai pas de chips. Mais pourquoi tu m'as pas demandé d'en acheter avant? T'as pas de chips? J'ai plus rien dans mon frigo, j'ai rien dans les placards, j'ai plus rien. Pas de chips. Qui n'a jamais râlé d'au final tu mets tes doigts dans le paquet de chips, t'as les doigts tout gras, c'est chiant, c'est sale. Imagine, tu joues à la console, tu prends ta manette, tu prends des chips, et ensuite ta manette tu la rends toute grasse, grâce à l'attrape chips. C'est terminé tout ça, tu peux arrêter de faire du bruit quand je fais ma vidéo. Je dois l'ouvrir ou pas? Non, je suis en train d'expliquer un truc. Ah pardon, vas-y. Alors, grâce à l'attrape chips, c'est terminé tout ça. T'as plus besoin de te salir les doigts et de mettre du gras partout, non, parce que tu as l'attrape chips. Et en plus, l'attrape chips est un stylet tactile pour téléphone. Tu vois ce téléphone avec Instagram, c'est même follow sur Instagram. Tu peux scroller. Waouh! Ça marche trop bien! Écoute, à la base, c'est un attrape chips, d'accord? Donc ça reste un attrape chips, ok? Ça marche air ton truc. On attrape mini chips, hein, franchement. Pourquoi rien ne se passe comme je l'ai prévu? Attention, bien suivant! Oh là là, mais qu'est-ce que tu sais que ça? Il va falloir que tu devines ce que c'est. Il y a des piles déjà? Oui. Ah, elles sont fournies. Oui, merci. Je sais pas du tout. C'est un instrument de musique. Exactement, c'est un instrument de musique. Ça s'appelle un automaton. Un automaton. Wow. J'ai bien révisé un... C'est Noël avant l'heure. Mais oui, moi je t'ai gâté. Un Noël après l'heure sûrement, cette vidéo sortira après Noël. Elle sortira après Noël au c'est final. C'est Noël après l'heure. Exactement, ça ne s'arrête jamais. Vive le vent d'hiver hein. Vas-y, tu me saoules. Ah c'est bon. Je suis comme les petits à Noël. Surexcité. Ah mais putain, les japonais, vous pouvez pas faire des vis normales. C'est pas compliqué. Faut pas +10 pour faire des vis. Oh mon dieu. Putain, c'est des mini-piles. T'as des mini-piles? Il y a des piles déjà? Oui. Ah, elles sont fournies. Oui, merci. Ouais. Putain, mais j'ai pas demandé à faire du sport aujourd'hui. Je suis content de descendre à ça tombe pile poil. Toi, mais va mourir. En tout cas, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au live 1 million. Et d'ailleurs, à la vidéo du mignon cool, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes aussi. Vous avez passé un joyeux Noël, vous avez eu des bons cadeaux. Parce que Dooms, moi je lui ai ramené des bons cadeaux. Est-ce que je suis pas un ami incroyable? Non, vous trouvez pas? Mettez dans les commentaires, hashtag Sora est un ami incroyable pour Dooms. Mais attends, mais on est des piles. Pourquoi? Mais il y avait des piles. Ah, elles sont fournies, merci. Ils sont juste. Mais oui, ils sont fournies en plus. On est complètement pété. Mais je l'ai dit, et j'ai oublié. T'as oublié en 4 secondes. Attention. L'histoire de ma vie. J'ai voulu être youtubeuse. Enfin, maman, vous regardez cette vidéo, est-ce que vous êtes bien de votre fille?
Attends, on dirait pas une ambulance. Regarde. Et tu vas me changer le ton. Elle pleure. C'est quoi ce bruit de tête? Et même le milieu. Moi je trouve ça génial. Je veux bien ça. Voilà, ça me fait plaisir. Tu peux même mettre ton fond si tu veux. Bientôt en concerto les amis. Oh mais je suis bon. Il en reste deux, allez. Ça c'est du caca? Oui, c'est une barrette caca. T'es sérieux là? Tu m'as acheté une barrette caca? Une vraie barrette. Ouais, ouais mais je sais pas comment mettre, moi je fais pas de barrette. Je sais pas si vous me voyez. Voilà. On n'est plus à ça près. Hein. Bah, c'est de la merde. C'est de la merde. Je vais sauter dans la tête, ok? Au blessure. Est-ce que tu as quelque chose qu'on peut manger? N'importe quoi. Quelque chose... quoi? Bah un petit gâteau, je vais en avoir en bas. Et bah parfait, va me chercher Dooms. Un gâteau! T'avais dit que tu serais pas déçu. T'es déçu? Oui. Ah ok. Cet objet est incroyable. Elle sait pas encore ce qui va lui arriver. C'est une veste où en fait, elle va être devant. Et moi, je vais être derrière et je vais contrôler ses bras. Enfin, je vais être ses bras. Vous allez vite comprendre, je vous assure que c'est très très drôle, ok, c'est très amusant, ah, on rigole. J'ai ramené des petits gâteaux, ils sont tout mignons, ils sont très bons. Alors attends, pose-les. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas vite comprendre, c'est un truc génial. Alors, pas en haut, faut le gonfler. Attends, faut le gonfler. Eh, je te jure que j'ai bien préparé ma vidéo. Putain, tu gonfles ça comment? Alors attends, viens, pardon. T'as buté mon chien. Halt! Si tu pisses là-dessus. Moi, je vais être assis, toi, tu vas être debout. Okay. En fait, on va être tous les deux à enfiler ça. Passe la tête, voilà. Et moi, je vais être tes bras. Ok. Comme ça, en fait, on dirait trop que je suis tes bras. Absolument pas. Est-ce que l'illusion est incroyable? Absolument pas, mec. Là, comme ça. Hey, salut tout le monde. Ça n'a pas de sens. Attends. C'est bon. J'ai bien mangé. Est-ce que l'illusion était parfaite? On est d'accord que non, hein, le coup, là. Oh, mais ça pue! Mais regarde, sur l'image, on dirait que c'est lui! Ouais, mais c'est du mytho! Est-ce que ça ressemble pas à ça, nous? Ah non, alors absolument pas. Hein. Non, parce qu'on voyait un peu ton truc, là. Ah. Le mec, il est trop déçu. Ah. Ça me saoule. Ça pue la mort, ça pue la... C'est nul! J'ai des animaux, là-bas, aussi. Merde, c'est vrai. Oh! Il y a un petit truc. Tu fais peur, hein. C'est vrai que t'es un fan absolu de Betty Wu, tu l'as scalpé la gueule. Et du coup, voilà. Sur ce, c'était une très bonne vidéo, salut. Ah, ça me dégoûte, je suis tout luisant maintenant, putain. C'est vrai que ma cadavre, ça me dégoûte. Je suis luisant. Ah, ça me dégoûte, regarde. Mais pourquoi tu t'en prends? Sur ce, les amis, eh ben j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Dooms, t'en as pensé quoi? Non, c'était marrant. Deux objets sur tout ton tas et ils sont intéressants. Celui-là... Oh. C'est ton préféré, lui? Ouais, c'est mon préféré. Sur ce, passez une très très bonne fin d'année, au final. Ou peut-être que le nouvel an sera déjà passé. Lâche ce truc! Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à vous abonner à la chaîne de Dooms dans la description, dans le titre et les pouces bleus. Si vous voulez une troisième partie, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, c'était Sora et Dooms.